Hey, salut tout le monde, c'est Silent et nous retrouvons sur Binding of Isaac Rebirth. On avait fait du Azazel la dernière fois et c'était pas terrible, hein, c'était un peu triste. Je pense partir. Aléatoire. Ah, Magda. Qu'est-ce que je l'aime pas, Magda. Oh là là, oh là là, la salle du cauchemar. Grève. Oh putain de merde. Alors, si tu veux bien rester plus ou moins par là, c'est parfait. Et toi. Hop. Attention. Ah, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Je vais sortir pour la replacer après plus loin, mais bon, c'est pas grave. On va perdre des points de vie là-dessus. Bon, ok, hein. Perdu 4 coeurs, je trouve un peu cher payé ce genre de salle, franchement je les aime pas du tout. Ben voilà, ça c'est fait. C'est peut-être la mort. Non. Oh putain, Clarignac à côté, j'avais vraiment les boules. Oh, crack the sky, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde, mais bon, on va le prendre. Aïe, aïe, peut-être que ça a été hop, hein, on sait pas. Ok, rien du tout. Je cherche une trappe, on sait jamais. La trappe. Ok. Oh mon dieu, mais ils sont sérieux de m'enchaîner ce genre de salle à la con là avec ces machins. Oh putain. Bon bah voilà, hein. Je vous dis un site pour débloquer The Lost, le voilà, hein. Prenez note. Putain de merde. Ah. C'est bien, ne bouge pas, ne bouge pas. L'autre c'est trop, c'est parfait. C'est très bien. C'est très bien le Liberty Cap. Oh putain. C'était chaud, c'était chaud. Et hop, pesti qui prend 0 dégâts, merci Crack the Sky, toujours autant utile. Item de merde, ça y a pas à dire. C'est... je comprends pas, hein. Pourquoi un item qui se range en 3 salles soit autant merdique, autant le mettre en une salle, hein. Franchement, c'est vraiment de la belle merde. Alors, on a un pesti un peu pourri là, qui fait peut-être pousser a priori. Qui fait vraiment chier à foncer nos stop. Là. Et hop, qui fait le monstrol. Je rejoue pas, je rejoue pas à Magdalene, je refuse. Je refuse la Magda, je suis désolé. J'ai envie de partir sur un Judas. J'ai envie de partir sur un Judas. J'ai envie d'un petit Judas là. Allez, Judas. Ok, Iron Bar qui permet de rendre confus les ennemis de temps en temps. Bon. C'est pas la fête, hein, c'est pas la fête. Ah non. C'est risqué, c'est risqué. Ah non, bah là il est confus, vous voyez, et fait n'importe quoi. Encore pire que d'habitude alors que c'est une araignée. Hein. Fucking spider, attention, c'est fait, on s'éloigne. Qu'avons-nous? Strength qui augmente de 1 les points de vie et qui augmente vos dégâts. Oh putain, pendant une salle, voilà, voilà, c'est fait. Oh mon dieu, mais je fais quoi de la merde là? Déjà 2 morts en moins de 5 minutes, c'est la fête. Allez, viens par là, s'il vous plaît. Oh. Ok. Seul d'or est trouvé, c'est cool. Bon bah voilà, c'est fait. Je déteste ce genre de salle aussi, c'est vraiment le piège à con. Soit vous faites comme moi. Vous dites en mode YOLO, ben c'est bon, je reste là, rien à foutre.
Soit ben vous jouez safe et ça prend 10 minutes à clean, c'est un peu chiant. Je trouve ça un peu chiant comme ça. On a pris le Spider Revenge qui fait que quand on prend un coup, cette araignée sort pour aller taper les ennemis, hein. C'est cool. C'est cool. Y'a mieux. Ah putain de merde. Tac, ok. Widow, version noire, je sais pas ce qu'il fait. Ouais, ils font des araignées de merde. Et du liquide de biche au putain de bordel. C'est plus la petite spider qui me fait peur que la grosse. Ah, allez, on prend risque. Oh putain. C'est moi ou... On va augmenter nos tests de tir, on a pas de nerf. Plus ou moins ça je crois. Pas mal. On a augmenté nos points de vie aussi. Two of clubs, je crois que c'est les bombes. J'ai bien envie de checker ça. Range down et je me prends un coup. D'accord, on va faire péter ça. Ok, on va faire ça d'abord. On va faire de la merde. Voilà. Ok, pas très utile, c'est pas grave. Hop. Vite la dernière salle. Et deux petites bombes. Ok, maintenant la salle secrète. Pas mal d'endroits hein, actuellement. Alors, on va checker un peu les salles. Alors là vers le bas, c'est pas possible. Donc là, là il y a une possibilité. Voilà. Bah fuck hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est un peu de la merde comme ça. Voilà. Étage suivant, c'est parti. Allez, on pète ça. Et hop, je vais boire un petit coup parce que j'ai soif. Ok, il nous faudra deux clés pour ça, actuellement on en a pas, là, ça c'est cool. Très cool même. Donc ça, ça fait que quand on prend des coups, ça peut tomber des pièces. On a une autre bombe ici. Ok. Putain de merde. Ok, je me disais que ça allait troll et que ça allait mettre une bombe au centre, mais non. C'est pas le cas, c'est cool. Avec une petite bombe, on l'a, ok. Qu'elles prennent à s'activer ses têtes pour se mettre à coucher, ça prend du temps quoi. Plus ou moins par là je crois. Deux encore, c'est cool, c'est cool. Ok, gris ici. Et eh ben de bombes hein, si possible alors. Ok. Easy hein, le monstre normalement. Tout devrait bien se passer. Hop, le breakfast. Hop, on prend ça. Brimstone, c'est nice. Allez, on prend le risque. Judas Shadow, donc il a aussi ton Judas. Et Dead Cat qui nous donne 9 vies. Bon bah voilà, c'est la fête du slip. En plus, ça nous donne un cœur supplémentaire. Du coup, c'est génial.
On a perdu 2 cœurs, non, 4. 3. 3 cœurs. On a gagné, hein. C'est pas mal. On va récupérer cette petite pièce, on sait jamais. On sait jamais, puisqu'on a pas beaucoup qui manque avant de pouvoir aller chez ce maudit marchand là. Oh, ça c'est belle salle. Scapula. Qui fait que quand on est à demi-cœur au moins et qu'on prend un dégât, ça nous rajoute un souleur, je crois, si je dis pas de bêtises. D'abord, on va pas l'utiliser là, on va l'utiliser dans les catégories, hein, plutôt. Je préfère l'utilisation dans les catégories perso. Et on avait un qui était juste ici. Les boules qui le décalent trop loin. C'est parfait. Ok, on a une autre bombe et je crois qu'il y avait encore un truc à bomber. Je suis en train de réfléchir où. Je crois que c'était par là. Je crois que c'était par là. Genre ici. Là, ouais. Hop. Encore une bombe et un souleur. C'est génial, c'est génial. Et donc, étage suivant. Étage suivant, pas que ça tombe juste parfait, franchement il n'y a pas à dire. C'est très bien, sauf la Judas Shadow qui est un peu merdique hein, par rapport à ce qu'on a eu. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Au final, on s'en sort tellement bien que c'était que du bon quoi. Allez, on check. Soit la bonne distance sur Judas, c'est vraiment l'Epic Queen quoi. Ça fait déjà tellement mal de base avec ça. On va faire du skip. Alors, range down, c'est cool. Bombs are keys, ok, c'est inversé les bombes en clés et on avait 2 et 2 du coup, ça ne change absolument rien du tout. On s'en fout un peu. Au cas où, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé d'ailleurs si j'acceptais les challenges et tout. Oui, je les accepte, mais vous pouvez juste attendre que je finisse genre les challenges du jeu d'abord avant de me proposer des challenges, parce que sinon, juste les stocker et du coup j'en oubliais certains certainement, du coup c'est mieux d'attendre que je finisse vraiment le jeu. Et là je vous dirai, feu vert, balancez-moi vos super challenge, hein. Voilà, tout simplement. J'aurais pu l'utiliser, non j'aurais pas pu l'utiliser. Ouais, si, pour casser les champignons, mais bon, fou un peu. Alors, notre axe, hein, donc, comme vous avez pu voir, elle permet de casser les cailloux gris, hein, tout ce qui est obstacle. Je sais pas si ça marche avec les flammes d'ailleurs, mais bon, c'est un peu contre-foncé sur les flammes. Pour mieux préférer l'éteindre avec les larmes, ça coûte un peu moins en point de vie, je pense. C'est plus malin. Petite clé. Attaqueur, on en a pas beaucoup, mais du coup c'est cool. Ah, on a une bibliothèque quelque part, on a une bibliothèque. Ok. T'inquiète, on met là. Plaisir, on a plus de cartes. Pretty Fly, c'est très bien. C'est compliqué, mais je crois que j'ai gardé le Liberty Cap perso. Alors, ça a du one shot, hein. Ah non. Qu'est-ce que c'est? All stats top, donc on a augmenté tous nos stats de 1. Crampus. C'était exactement à lui que je pensais encore une fois, putain. Attention, c'est un Lump of Coal, donc qui augmente vos dégâts en fonction du temps que votre larme est affichée sur l'écran. S'il reste 6 secondes, ça fera plus de dégâts que s'il reste 1 seconde. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'une larme, plus elle reste longtemps, donc on va dire qu'elle parcourt votre larme, elle part d'ici, tac, elle fait toute cette longueur. Elle prend 3 secondes d'arriver là, ça fera plus mal. Si elle fait exactement la même longueur et qu'elle arrive en 1 seconde ici, bah ça fera moins mal, voilà. Ça va en fonction du temps. Pff, on peut passer à l'étage suivant, je pense, hein, y a rien d'autre à faire. Ouais, qu'on ouvre ce marchand pour faire un don de pièces déjà, et puis pour derrière choper quelque chose qui est utile. On verra bien. Alors toi t'es un petit peu un salaud en général, du coup on va même pas te faire confiance. Attention, attention. Oh putain, la Pretty Fly là qui a fait son taf, mais comme une génie. Incroyable, incroyable, la Pretty Fly de fou quoi. De bon pour un coffre gris, tapé pour moi, j'ai plus de bombe là. Hop, Hyper Tress, ok.
tac, on a un truc qui permet de charger super rapidement avec le petit champignon là, je sais plus le nom là, j'ai un petit trou de mémoire là, à l'instant même. Husk. Homescreen course, qu'est-ce qu'on chope? Balls of Steel, très bien, on va utiliser après. Bombs or keys. Pour inverser. Ça on peut utiliser, mais bon, pas vraiment l'intérêt. Et voilà. Alors on a un item du chat. Allez. Tac, en mode YOLO, on prend tout. On peut utiliser ça du coup. Tac. Et on peut continuer notre petit bout de chemin. Donc si on chope un troisième item du chat, on va se mettre en mode guppy, ça pourrait être cool là. On a la salle d'or à trouver et le marchand si possible. Tac. Ah, je crois que la carte était dévoilée avant. Bon, c'est pas grave. Ah ouais, du coup on va aller checker ça aussi. Ouais, coffre gris, non ça va aller. Le marchand. Tac 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 tac. Un petit don. Mets-toi derrière la machine, bon, il veut pas. Ah, j'aime quand je peux faire des dons comme ça là, j'aime ça, voilà, on est content. Ouais, pas envie de... Ah, je pourrais checker que la salle secrète juste là. Non, ça devrait fonctionner. Ah, ça a pas touché la pièce, bon. Je pensais que ça allait la pousser, mais non. On récupère une bombe, une clé, tout le bordel, hein. Worth it. Si j'aurais posé là, peut-être ça aurait tout pété avec le bonhomme. C'est pas grave, c'était worth it. Alors la salle d'or est juste là a priori. Nous avons une salle d'arcade aussi dans le lot. Normalement. Waouh. Ouais, une salle d'arcade avec. On va aller ouvrir et tout faire péter je suppose. Alors. Kane's Eye permet de dévoiler la destination a priori, c'était ce qui était écrit en tout cas. May show your destination, je sais pas trop, un truc dans le genre. Un truc dans le genre. Du coup on a un sous-boss qui est dévoilé là-bas. On va aller voir ça de suite, qui c'est. Bam, ça va être rapide. Bam. Et bam. Et fini. Choupe da whoop qui est un petit peu mauvais quand même, hein, du coup. On le laisse à sa place. On va continuer avec les dents au marchand, parce que ben là il est ouvert, autant en profiter. Putain de bordel. J'avais pas cette pièce de façon. Bon bah ben voilà. Les dents du marchand, c'est fini pour ce run. Et c'est l'éternuement, mais j'ai coupé mon micro. C'est parfait. Ah, c'est un petit peu mieux quand même. Ouais. Allons-y, allons-y. Alors, on a une bibliothèque juste en dessous. On s'en fout un peu. On a envie de checker ça. Oui, très bien. Comme cœur noir, mais on s'en fout un peu. On a 7 points de vie normalement. Ouais. Allez. Putain, toutes les spiders, elles sortent d'où? C'est le coeur qui m'a donné autant de spiders, ça m'étonnerait, ça... Enfin, un peu gros. Un peu gros quand même, tout ça. Ouais, le cœur rouge qui sert strictement à rien. A priori, ça dévoile simplement l'endroit où on doit aller, enfin les endroits où on peut accéder. Putain, what the fuck? Ah, c'était la plaque. Ah, la connerie. La connerie sans nom, quoi. Hop, ça c'est fait. Ça fait peur et ça augmente les dégâts. Charm Tears, donc ça nous fait un rayon rose qui est tout mignon. Ça rend heureux les ennemis. Du coup s'il y a d'autres ennemis dans la salle, ils vont attaquer pour nous les ennemis qui restent. Ça passe. Alors actuellement, deux clés pour autant de bombes, ça peut être pas mal. Blanc carte qui est beaucoup mieux que ce que je pensais. Elle copie la carte que vous avez dans votre donc en bas à droite. Les 4 salles du coup. Mais bon, j'aime beaucoup ma merde là, du coup je vais garder ma merde. Alors la salle du boss elle est à l'autre bout, putain de merde.
Mais là les ennemis se sont attaqués et c'est génial. Ok, la bombe, j'aurais dû la pousser. J'aurais dû la pousser. Ok, waouh, le cœur éternel, ça c'est juste magnifique que ça tombe. Alors, tac tac tac, plutôt vers la gauche je dirais. Ouais, ça a l'air d'être plutôt vers là-haut je pense. Genre ça monte de cases plus haut, non, même pas. C'est marrant ça. Ok, bon bah... Hop, on descend et c'est par la gauche je pense, ouais voilà. Ah merde, ah putain, encore cette connerie de... Tout qui vous fasse, ça fait mal. Oula, quand vous marchez dessus. Bam, ça c'est fait. Dernière grosse salixelle. Et après, ils ne peuvent rien faire du tout, les pauvres. Ils se sont attaqués entre eux en plus. C'est vraiment moche. Oh putain, Papa Little Geek qui tue ses enfants, c'est magnifique. Hein. Il prend super cher le pauvre. Hein. Et voilà, c'est déjà fini. Le Little Geek qui est extrêmement bien, un peu au gris. Ah, j'ai plus de bombes. Ouais. La marque qu'on va prendre, ça rajoute un souleur, ça rajoute des dégâts. Ce serait bien de pouvoir casser ça. Il faudrait une bombe. C'est con. J'ai envie d'aller utiliser les deux clés là-bas maintenant. Faire ça. Donc la blanche carte est très bien si vous avez des items qui permettent de bah, copier des trucs très bien simplement quoi. Ok, il faut en acheter une de plus et une texture en plus et voilà. Tac tac tac. J'ai ouvert une bombe. Ah oui, ok, oui. J'étais en train de me dire, mais what the fuck, pourquoi j'ai fait tout ce chemin pour des bombes? Moi, je suis con, quoi. Et non, ça va. Je suis pas aussi con que ça. Hop, un petit souleur. C'est toujours ça, c'est toujours ça. Hop, l'arène sanglante. Qu'est-ce que tu nous réserves? Ouais. Tac. Dernière. Alors pourquoi le Little Geek est bien, je pense que là, certains d'entre vous qui savent pas, qui permet de ralentir les ennemis de temps en temps quand ils crashent. Et ralentir les ennemis c'est très puissant dans ce jeu parce que ça vous permet de réduire leur vitesse d'attaque. Du coup vous avez vraiment le temps de les voir venir, ce qui est assez énorme. Ça marche aussi sur les boss, hein, c'est plutôt craqué. Alors là le Kinzai ne veut pas faire effet. Pourquoi pas. Vous voyez là, les tirs sont plus lents, vous avez clairement le temps de les esquiver. Les ennemis se déplacent plus lentement aussi, du coup c'est vraiment trop fumé. C'est vraiment très fumé. Alors le Kenzai ne veut pas tout le temps dérouler la carte a priori. Il dévoile quand bon lui semble. Ok. Ou alors à partir d'un certain taux d'exploration, je sais pas, une fois qu'on a exploré la moitié de la carte, bon ça dévoile, je sais pas. Aïe aïe, j'ai été trop rapidement, c'était stupide, stupide. On descend, tac tac tac, des petits anges, bim, oula. Deux petites bombes. Tac. Donc il nous manque le marchand, la salle dorée, la salle du boss, voilà, la salle du boss. C'est marrant, je pensais avoir grid dedans ou super grid, mais non. Alors, la salle d'or doit juste être à côté, dans une ou deux salles, voilà, elle est là.
putain. Non merci, ça attire les ennemis vers vous pour vous frapper. La claire brimstone, ça va juste les faire gicler sur ma gueule. Non merci, c'est pas très rigolo. C'est pas du tout rigolo même. Ah merde, pourquoi je vais là alors que c'est le mauvais chemin? Ça c'est la stupidité par contre. Hop. Et on grille là-bas dans le coin. Aïe aïe aïe. Ça. Allez, cette fois on va aller là. Alors, je peux me transformer en chavalant. Alors, je peux prendre ça qui est pas mal, il paraît. Chavalant. Est-ce qu'on augmente encore nos dégâts? Allez, soyons fous, dégâts. Ça rajoute un point de vie. Très bien ce chavalant. Je sais pas vraiment ce que fait le pentacle, je sais même pas si je l'ai eu une fois en fait. Pour la science. Ouais bon, pas grave, on l'aura une autre fois, c'est pas grave. Ouais, ça fait vraiment trop mal là. Une stone combinée avec le chavalant, c'est rendu grand n'importe quoi. Je l'abandonne quoi, simplement, c'est ça. Hein. C'est un scandale les dégâts. Y'a rien à dire, c'est un scandale. Judas quoi. L'autre. Sur lui. C'est cool, ils se sont tués entre eux. Tac. Bon voilà, ce fut rapide, alors le truc qui nous permet de rendre stupides les ennemis, et on a augmenté de 1 nos points de vie, du coup on peut prendre ça en fait. Heavy plus damage up plus fear shot, bon bah, putain le nombre de cœurs noirs, oh my god. On a augmenté nos dégâts. Oh my godness, why you do this game? Là c'est même plus du jeu quoi. Oh là 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 là, c'est... Bah, c'est pas grave. Allez, pour le fun, pour la science. Oh mon dieu, ces dégâts. Madame. Oh, pour une fois que je me place bien. Oh mon dieu, ces mouches, elles sont incroyables. Incroyables. 10 sur 10 les petites mouches. High Pretress, c'est quoi déjà? C'est le... C'est le même, ok. Comme ça, on ne confond plus avec Pretress, c'est le truc qui me transforme en... Ah, en petite... War of Babylon. Tac. Non, je vais voir, est-ce qu'on avait de la luck? Hop, parce que là, vu le nombre de coffres qui drop, quand même, c'est pas mal du tout. Et voilà. On est content d'augmenter nos dégâts, pour rien du tout. C'est pas grave, c'est pour la science. Oui. Deux petites bombes. Ok, on descend alors. Hein. Le jeu veut pas que je continue, bah je descends. Hein, voilà, c'est pas de ma faute, c'est la faute au jeu. C'est mouche, mais c'est mouche, je vous jure.
Elles font quoi? 2 fois nos dégâts ou 2,5? Je sais plus, mais... c'est beaucoup trop, quoi. Oh mon dieu. Allez, à droite, bim. Tac, un petit coffre. Ouais, là, il y a beaucoup de coffres, hein. On a une chance pas mal, pas mal. S'en fout de switch les clés, hein. Allez, on check, on sait jamais. Attention, bim, rien du tout, c'est pas grave. Rien du tout, oui, on perd quand même un cœur. De toute façon, on a les clés gratos, on peut y aller, hein. Attention! Et c'est le 3. Le 3, c'est le switch des items qui sont partout dans la salle, je crois. J'ai les boules. Je crois que c'est le... Allez, hop, on teste pour la science. C'est bon, la science a fonctionné! Ouh! C'est quoi ce nombre de coffres? What the? Oh! Nice! L'autre, on va lui exploser sa petite tronche parce que je l'aime pas. Voilà, je me sens mieux maintenant. Ça dépend si ça attend une autre époque ou pas. Ok, on a compté nos points de vie. Bon bah de toute façon on n'a pas de choix, il fallait checker. Bon bah voilà, on prend. Du coup est-ce qu'on a envie de prendre ça pour les étages suivants? Sachant que... bah, quand je me prends un coup, ça fait l'effet de du Necromicon. Donc du coup, on va pas le prendre. C'est mieux. Enfin, je pense. Hein. Ça fait double Necromicon avec les cœurs noirs en plus là. C'est beaucoup mieux comme ça. C'est beaucoup mieux comme ça. Et donc, on va devoir aller tuer Satan. Hop. À partir de l'étage suivant. On va checker ce qu'il y a dans l'arène sanglante quand même. On sait jamais. Il y aura des trucs bien. Oh! Oh! C'est nice ça! Et hop, je suis encore plus un chavelant qu'avant! Non! Oh! Nice! On va tout faire péter, on n'a pas le temps pour ça. On s'en fout complètement. Pas du tout si t'aimes, hein. Mais bon, autant le prendre maintenant, comme ça on le reloot pas après. J'ai envie de dire qu'on est tellement bien qu'il y a peu de chance que dans la game. Et tant qu'à faire, autant explorer l'étage au complet pour essayer d'avoir le plus de coffres, hein. Tant qu'à faire, je pense que ce serait une bonne idée. Allez, on va explorer l'étage au complet. Ouais, une ici, une par là, une là, et une là. Je sais pas combien je suis, mais c'est pas important. Ce serait cool de rechoper pas mal de clés pour les étages suivants, comme ça on est vraiment nickel et on pourra choper plein de coffres et certainement plein d'items du coup. On espère en tout cas, on espère. Bon après il faut que les coffres ils lootent, hein. Quand on les cherche plus ça loot, quand on les cherche ça loot plus. Ah. Ouais mais j'aime bien ce petit œil de Kane qui dévoile les endroits, c'est cool. Ouf. Donc il est mort? Non. Cordon ombilical qui fait spawn Little Steven quand vous êtes
moins d'un point de vie, je dirais, si je dis pas de bêtises. Eh ben, il pleut des coffres, hein. Ben, je crois pas qu'il marche, pour une petite façon. J'aurais peut-être dû aller à The Chest pour avoir plus d'idées. C'est pas grave. Tac. Ouais, ça va pas trop m'aider vu que je vole déjà. Ça permet de pas prendre de dégâts sur les petits pics qui sont par terre, si je dis pas de bêtises. Là on a bel et bien pris la négative normalement, mais on la voit plus. Bon, négative normalement, si je dis pas de bêtises c'est ça. On espère pas dire de conneries sinon ça va pas être cool. Oh non, on a amnésia. Oh, cool. De bombes. Vraiment que je fasse vraiment de la merde, hein, pour crever là. Il faut vraiment foutre en l'air la game, mais d'une force. Je sais pas comment je pourrais la foutre en l'air. Hein. Ça va être difficile. My goodness. Oh my goodness. Nous avons le combo de la vie et de la mort. On peut pas faire un sub quelque chose là parce qu'on est déjà tellement bien. Ça changera rien. On va encore une fois explorer tous les tâches si possible. Bon, on a amnésia, c'est pas grave. Ah, le genre de sol qui ralentit. Le genre de sol qui ralentit. Une petite clé, une petite bombe. Et pas épi. Ah merde. End job, ça sert à rien, mais bon, c'est pas grave. On va checker là. Allez, tac tac tac, ok, dommage. Aïe. Le cœur noir qui s'en va. Amnésique, hein. Oh, fate. Nice. Donc ça vous donne un cœur éternel, ça vous permet de voler. C'est un très bon item. Job, encore une fois, wouhou. Et toujours pas très utile là. Ah, pourquoi pas. La carte, c'est nickel. Mais c'est nickel. C'est cadeau quoi. Ouais, tac. Petit coffre encore une fois, tac, continue, bam. Putain, c'était pas loin de ma tronche. Par ici, tac, on peut quitter. Tac, 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 on n'a pas tout exploré. Ah.
Eh ben si. Lui vous donne des clés de ton stock, vous ramassez des pièces, je crois. C'est plus ou moins ça. Et allez, on va checker s'il n'y a pas un cœur noir. Voilà, c'est ce que je vais dire. J'allais dire carré noir au début, mais je me suis dit non, non, c'est non. Alors lui, il vous donne des cœurs noirs à chaque fois que vous prenez un coup, je crois. Un truc dans le genre. C'est pas si mal que ça, on va peut-être le garder. Allez hop. 3, 2, go. Ah. Passe trop en claque la Tamis, hein, dès qu'il a posé ses deux jambes, c'est possible. Bon, la première, et puis voilà. Tac, next, Dark Zone, c'est parti. Allez, c'est le petit passage, la bim, balle dans la gueule, voilà. Vous trouvez ça drôle, vous trouvez ça drôle. Et ben vous allez voir qui c'est le plus puissant maintenant, vous allez voir ça, hein. Attention, et nous avons rien du tout. Là, on désarme. Bombe et des pilules qu'on... Ah, des trucs bien. C'est marrant, c'est rare. Bon, on utilise, on perd un cœur bleu, mais bon, franchement, je pense pas qu'on a ça de près. Surtout même avec un double Z cage là. Bien, yeah, c'est cool. Distant Admiration, donc la petite mouche rouge qui attaque pour vous. Parce qu'il y a de mieux, c'est parce que vous aurez plein. Hein. Hop, on continue par ici. Tac, tac, tac. Ah! Alors, Trail of Tears, donc ça fait des larmes derrière moi, hein, qui font des dégâts aux ennemis, c'est aussi simple que ça. Ah, Doc Rolik, qui fait donc... Merde, j'aurais pas dû l'activer maintenant. Simplement des... Aïe, des souleurs de temps en temps en finissant une salle, c'est aussi simple que ça. Et la petite pièce, qui est une pièce, hein, voilà, c'est... Je pense que voilà, niveau description, on peut pas faire mieux. Compliqué. Ah. Ouais, super mid, super fan. Plus un, toutes les stats, bim. Attention, il va prendre très cher en revenant, bim. Et bye bye. Tac. Voilà, la relique qui fait son taf, hein. Et une petite clé pour des coffres en plus si ça drop. Hein. Si ça drop pas, bah c'est tant pis, hein, c'est la tristesse. Tac, on check quand même les salles secrètes, ça peut être cool si on peut faire un petit reset du village. Ok. Putain. Alors, ma reflection, donc il fait des boomerang tears, mais ça sert à rien normalement avec la brimstone, hein, du coup. Ça sert à rien. Alors, là on a la technologie. On va voir ce que ça fait avec la brimstone là. Je sais pas si elle passe par-dessus la brimstone. Elle passe pas par-dessus la brimstone, ok. Bah, du coup, voilà. Hein. Putain, mais ça veut rien dire cette fois. Ça ne veut absolument rien dire. Le Book of Revelations qui vous donne un Soul Heart et qui vous permet d'augmenter les chances de faire apparaître les cavaliers de l'apocalypse. Et donc on a une augmentation des dégâts de bombes aussi avec les petits Bomberman d'avant là. Attention, ok. Non, c'est parce que... Ah non, on a rien gâché le combo. Non, le comberino. Ah, on n'est pas content, mucho mucho muchacho. Hop, d'accord, bon ben voilà, merci pour la récupération du combo. D'accord, on continue par là. Voilà, c'est mieux quand on a le combo qui est prêt. Tac, 10 bombes supplémentaires. Ah, ce genre de salle. Ah, ça fait plaisir des one shots, ça fait plaisir, bim. Oh, c'était un peu fail là, c'était un peu fail. Worst Amis Endeavor, hein. On a déjà nos points de vie à fond. Hein. Tac, et le soutif de maman qui permet d'être super moche sur votre tête. Alors, il fait peur aux ennemis et du coup il bouge plus, voilà, tout simplement. C'est simplement ça. Nous avons une petite araignée qui reprenne et le Piggy's Bank qui rajoute
trois petites pièces et qui fait tomber des pièces quand vous prenez des coups. Voilà. C'est dommage, on chope que des items qu'on connaît déjà. C'est un petit peu dommage. Et la technologie 0.5. Tech 0.5. Qui pleure en même temps que vous normalement quand elle a l'ennemi à portée, je crois. Voilà, c'est... Ah, même plus besoin de pleurer. Hein. Bien. On le finit ou pas? À la carte. Et voilà. On a une deuxième salle secrète à trouver quand même. On va essayer de checker ça. Allez, un petit reset d'étage. Et donc voilà. La puissance des rayons roses. C'est voilà. C'était une belle run. Ça rigolait pas. C'était une belle run. Hop. Et donc voilà, on a fini. C'était rapide. C'était rapide. Je crois qu'il nous manque toujours 14 items. On va quand même aller voir ça. Item. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a 2 items de moins. Je crois qu'on était à 14. On a 2 items de moins. Peut-être que la relique, j'avais jamais eu. Parce que j'étais pas sûr de l'avoir eu. Et le pentagramme, peut-être que je l'ai jamais eu aussi. Du coup, ben, c'est cool. Plus que 12 items. 12 items, les amis. Bah on va essayer de choper ça au fur et à mesure, hein. On verra bien comment ça se passe. Sur ce, n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude. Qui a vous abonné à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo les amis. Allez, ciao ciao.